dans tes bébés. La santé est importante dans la vie. Dans tes bébés. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Dans tes bébés. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Mon frère Asian. Ok, je suis Dr Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plantes naturelles. Je vous avais promis que toutes les semaines, je serai dans chaque quartier pour voir un bébé Beka. Parce que ma prophétie, c'est que d'ici 2025, qu'on ait une génération à la maternelle qui sera Beka Beka, chez les filles, chez les garçons, dans tout le monde entier, pas seulement au Cameroun, parce que beaucoup pensent que ce que j'ai fait, c'est seulement au Cameroun. Donc actuellement, nous sommes derrière le foyer Bamongoum à Douala, au niveau de Ange Raphaël, pour visiter notre bébé Beka. Voilà. Bon, c'est parti et retrouvons-nous juste après cette transition. J'ai tellement eu mal de perdre maman très tôt parce que j'ai compris que c'est la pression de vouloir vite accoucher et c'est rattrapé qui l'a emporté. Mama, I dedicate this song to you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Our mama, I just sing this song for you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. For the things you they do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Ici Brian Kandem, dit Dr Beka, véritable mastodonte de la pharmacopée traditionnelle et fin érudit de la phytothérapie. Cet expert, chercheur en plantes naturelles, s'est vu décerner le prix de meilleur phytothérapeute du Cameroun par le journal Le Métronome à l'issue d'une enquête savamment orchestrée. Donner à César ce qui appartient à César. Donc on a mené des enquêtes de fond en comble avec la satisfaction à l'endroit des patients parce que mon épouse aussi en fait partie. Elle a été, elle a fait pratiquement 10 ans sans enfant. Et nous sommes venus ici, je ne sais même pas qui était ce monsieur. Et la satisfaction hier, avec les enquêtes menées, nous sommes rendus compte qu'il était quelque chose vraiment, une façon de lui remercier à notre manière, son travail à l'endroit de la nation tout entière. Et il prône vraiment à l'émergence 2035, tel qu'a dit le chef de l'État. Le récipiendaire s'est dit satisfait de cette marque de reconnaissance. Je suis tellement ému par cette grosse surprise. Je ne savais pas que tout ce qui est fait ici, là, rien me contrôle sur le terrain. Le docteur Beka, c'est 423 grossesses en 5 mois et bien plus encore. J'ai eu 426 grossesses en 4 mois, selon le sondage qu'on a eu sur le terrain. Mais là-bas, c'était par rapport à une organisation au Bénin. Je ne savais pas que les Béninois me contrôlaient. Donc ce matin, je suis surpris de comprendre que même les Camerounais me contrôlent. Ça me va droit au cœur. Le dynamisme, le professionnalisme et le sens de l'innovation font du docteur Beka le meilleur parmi des milliers. En 5 mois, mention honneur d'esprit chercheur en plantes naturelles 2020 d'Afrique du Sénat en Côte d'Ivoire. Logé d'attirer au bain, docteur Beka et Weke. Il a guéri beaucoup de malades en Afrique centrale. Il a guéri beaucoup de malades. Le docteur Beka est là. Si vous êtes malade, appelez Docteur Beka. Si vous êtes malade, appelez Docteur Beka. Il est le meilleur. C'est le meilleur docteur. Il est le meilleur. Docteur Beka, on a fait qu'un côté sur toi. Docteur Beka, on a fait qu'un côté sur toi. Ok, mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans le cadre de la Minute Santé. Je suis Dr Beka, phytothérapeute expert chercheur en plantes naturelles. Je vous ai promis toutes les semaines de serrer sur le terrain pour saluer un enfant, un bébé Beka. Nous sommes ici au quartier Ange Raphaël derrière le foyer Bamongoum où je suis avec le petit japonais, comme il l'appelle souvent. Ah, c'est un japonais, il ne sait pas.
Voilà, il regarde bien la caméra. Voilà, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je suis vraiment content pour mon beau cadeau aujourd'hui, puisque je ne croyais pas. Bon, le docteur Beck, j'ai la copine de ma fille, de ma femme qui m'a proposé, m'a dit qu'elle était chez un docteur. Et je n'ai pas cru. Bon, j'ai contacté ma femme, je lui ai fait comprendre que bon, il y a un docteur. Et nous sommes allés là-bas, grâce à Dieu aujourd'hui, j'ai mon petit cadeau. Et je suis vraiment content. Bon, sauf que bientôt, il faut qu'elle porte le deuxième. Donc, ça va aller très vite. Comment tu te sens alors? Non, je me sens vraiment très fière du beau gâteau, du beau cadeau, parce que je n'y croyais pas. J'avais eu perdu espoir qu'un jour moi aussi je pouvais être maman. Lorsque cette copine à moi m'a parlé, j'ai voulu aller découvrir pour que moi aussi je devienne maman. Bon, c'est pour cela maintenant. Et lorsque je suis arrivée, je n'avais pas assez d'argent sur moi ce jour. Le monsieur en question, Dr Beka, m'a consulté et je me suis mis à prendre les médicaments et me voilà aujourd'hui. J'ai eu mon bébé et ce monsieur, c'était un monsieur très généreux, un monsieur que lorsque tu n'as même pas assez d'argent, que tu arrives là-bas, il te consulte sans problème. C'est pour ça, merci vraiment Dr Beka pour ce beau cadeau. Merci. Bon, il faut rappeler que c'est vrai, quand on voit tellement de résultats à télé, on ne comprend pas comment, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc moi, je dirais que quoi, chez certaines personnes, on exige qu'on paye tout avant qu'on essaye de voir ce qu'il faut faire. Maintenant, puisque tout le monde n'a pas l'argent, mais tout le monde veut l'enfant, il faut adapter le mode de paiement au rythme de tout le monde. C'est-à-dire, j'essaye de gérer toutes les classes sociales. C'est comme ça que chaque semaine, je l'ai affilié, payé un peu. Aujourd'hui, on a un Japonais. Moi, je l'appelle toujours, parmi tous les bébés Beka, c'est le Japonais que j'ai eu jusqu'ici. Et il gronde beaucoup. Il ne sait pas qu'il va commencer à marcher, ça sera comment, il ne sait pas trop. Il n'est pas étouffé, ça fait ça que tu as. Quand il voit quelqu'un, il ne sait pas quoi dire. Le gars de parler, il s'explique. Il n'y a que ses collègues bébés qui écoutent cette émission qui vont mieux le comprendre. L'enfant te dit quelque chose, mais peut-être on ne comprend pas. Hein? Tu dis quoi? Ouais, mais tu expliques ce qui s'est passé. Oui, tout ce que peut dire à Dr Beka, c'est d'aller de l'avant, parce que Dr Beka, c'est un grand docteur. Je vois toujours à la télé et je vois ses merveilles. Donc, je dis toujours Dr Beka d'aller de l'avant, que Dieu le bénisse. C'est tout ce que peut dire pour mon Dr Beka. Si vous êtes malade, appelez Dr Beka. Si vous êtes malade, appelez Dr Beka. Il est le meilleur. C'est le meilleur docteur. L'Afrique centrale. Attention, il est là. Pour tous vos problèmes de santé, pour tous vos problèmes de bébé, le docteur de Beka est là pour votre soutien. Applaudissez très fort, il est au Cameroun. Il est au Cameroun. Avec lui. Même si tu veux, tu as n'importe quelle maladie. Si ça dépasse le docteur Beka, vraiment, c'est quand même ça a dépassé Dieu. C'est un docteur Beka. Oui.
Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus à prouver. Une autorité et une vision exceptionnelles. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Et merci, Dr. Beka. Moi, mais j'essaie, je vous le conseille. Dr. Beka, je te dis merci pour mon joli bébé. Il faut aller chez Dr. Beka. Son travail est rapide et très efficace. Il s'appelle Beka. Docteur Beka, le meilleur. Il est 14h à Douala quand l'avion de la compagnie FlySem Air foule le tarmac de l'aéroport international de Douala avec à son bord Brian Kamdem, dit Docteur Beka en provenance d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À ses côtés, rêve d'office, tradit praticien de renommée internationale, spécialisé dans les plantes traditionnelles africaines. Le docteur Beka revient d'Abidjan, auréolé d'une distinction à lui attribuée par Lasco Reza. Brian Kamdem est reconnu par ses pairs comme étant le meilleur expert en plantes naturelles d'Afrique en 2020. Avec les félicitations de Jason Black du Cameroun, Simon Kouadjo de Côte d'Ivoire, et Bruno Eto'o de France, pour ne citer que cela. Honnêtement, je suis très ému de savoir que la médecine camerounaise travaille à les frontières. Et que, en dehors des Camerounais qui m'ont primé en 2020, il y a aussi les voisins, les frères d'autres pays qui pensent à moi et à ce que je fais. Donc du coup, je suis très, très, très ému. Et le cas s'est pris à mes parents, à mes défunts parents. Simon Kouadjo m'a beaucoup marqué parce qu'à un moment, on a cru qu'il était Camerounais comme moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi. Il m'a tellement accueilli et je lui ai posé une question un peu curieuse. Que, mais je suis en Afrique centrale, toi tu es en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous avez pu, avec M. Eto'o Bruno de la France, voilà, nous décerner. Il a dit dans chaque pays africain, ils ont des espions. Et au Cameroun, ils ont parlé de Jason Black. Donc du coup, aujourd'hui, je découvre que Jason Black est parmi les espions qui pistonnent la médecine traditionnelle camerounaise aussi. Avant d'embarquer dans son véhicule, c'est des jeunes en liesse qui ont assailli le docteur Beka et son équipe à la sortie de l'aéroport. Docteur Beka, 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 tu es le miroir de la santé au Cameroun. Les chaînes de télé, radio ne parlent que de toi. Une fois dans son QG au quartier Dakar à Douala, c'est un autre bain de foule auquel a eu droit Brian Kamdem. C'est ici, ce n'est plus ailleurs. C'est ici, je traditionnel, ça donne, sans ressentir. Ici, docteur, bonne des gens, tout. Il y a les témoins là, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes, c'est ici. Nous sommes là, comme tout le monde. Propre, bon travail, un bon parent. Il a le mérite, on est là, c'est ici, ce docteur. C'est ici, c'est là. Brian Kamdem, plus connu sous le nom de docteur Beka, continue sérénement, mais sûrement son ascension vers les cimes de l'excellence en matière de médecine alternative au Cameroun, Afrique et déjà de par le monde. Elle est négligée, désorganisée et sous-financée. Pourtant, c'est à elle que nous devons au moins le quart des médicaments vendus en pharmacie. À Madagascar, on lui attribue même les mérites d'un remède contre le Covid-19. Je parle de la médecine traditionnelle. Elle soigne 80% de la population en Afrique et en Asie. Désormais, la médecine traditionnelle a un nom, Dr. Beka. Après plusieurs années d'études et de recherches au Ghana, au Nigeria, sur l'île de Madagascar et en Corée du Nord, le docteur Beka est de retour dans son pays natal, le Cameroun, pour valoriser la consommation bio des produits séchés et fermentés qu'il a réalisés. Le Casse-Tou, une composition incomparable qui lutte efficacement contre le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, l'herpès génital, le chancre mou, le corps qui fourmille, la plante de pied qui chauffe,